السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل هذه الإفريقية على كلام وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. Des sources diplomatiques africaines affirment que votre pays aurait laissé passer des avions militaires russes remplis d'hommes et d'équipements. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, la sécurité de la navigation aérienne n'est pas une question traitée dans des interviews de ministres des Affaires étrangères, sauf décision souveraine de l'Algérie ou d'une organisation internationale, dont les décisions seraient obligatoires pour les États membres. Le reste, c'est le principe de la liberté de la navigation aérienne. Et donc, si des avions russes, des avions français, des avions chinois ou autres survolent le territoire algérien, cela ne constituerait absolument pas un événement de nature politique. Donc il n'y a pas d'opposition de votre part, en tout cas, à acheminer des troupes et du matériel russe et donc éventuellement des mercenaires vers le Sahel. Je ne suis pas sûr que la qualification de mercenaires soit consensuelle. Il y a d'autres points de vue pour décrire les personnels en question. Je ne dis pas que je préfère tel ou tel point de vue, mais en répondant à votre question qui porte ce nom, je ne voudrais pas que l'on comprenne que moi je le reprends à mon compte. D'autant plus que le gouvernement malien dit qu'il ne s'agit pas de cela. Le gouvernement russe non plus. En l'occurrence, ce que je vous dis, c'est que c'est des épiphénomènes par rapport au principe lui-même. Le principe, c'est que l'Algérie n'est pas en faveur du déploiement de forces étrangères sur le continent africain, tout en respectant le droit souverain des États concernés de faire appel à des formes d'assistance de la part de partenaires internationaux.